Et salut à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Fenrir. On est parti, comme vous pouvez voir, pour un petit test exceptionnel. On a pu être sélectionné pour la bêta technique du multijoueur de Infinity pour Halo. Donc, ce multijoueur va rester un bon moment, à mon avis, parce que justement, ce multijoueur va être free to play. Donc, à mon avis, s'il y aura d'autres Halo qui arrivent derrière. Ils vont faire comme pour Warzone, à mon avis, avis personnel. Je pense qu'ils ont tiré un peu la leçon type Warzone, c'est qu'ils vont rajouter du contenu régulièrement sur ce multijoueur-là et faire qu'un seul multijoueur, mais en bombardant, en rajoutant, faisant des mises à jour graphiques et compagnie. Et pour moi, ce qui est déjà une idée que énormément de studios devraient faire déjà depuis longtemps. Je parle pas l'arc Warzone et compagnie, mais par exemple, pour moi, qui suis pas du tout un footeux qui déteste le foot. Les médias, pas le sport. Par exemple, les jeux FIFA ou PES devraient déjà arrêter de sortir leur merde toutes les années. Faire un seul jeu, ils mettent le paquet pour le graphisme et tout le bordel. Ils sortent un seul jeu, soit ils s'appellent FIFA comme l'autre. Je crois que maintenant ils ont commencé à faire un système à peu près comme ça. Je crois PES c'est passé eFootball, un truc comme ça. Vous faites un seul FIFA. Chaque année, au pire cas, vous faites des petits patchs, genre des mises à jour de 10, 15 euros pour changer vos équipes ou améliorer un peu le graphique. Comme pas dit, si vraiment vous voulez tirer des trucs. Il y aurait 15 fois plus de personnes qui achèteraient et avec les trucs internes, paiement interne, il y en aurait beaucoup plus. Oh, le mec, il lui manque un morceau du bras. Il a les bras dans le vide. Petite présentation donc des équipes. Donc c'est 4 joueurs contre 4 joueurs. Moi, je suis le mec en rouge. Let's go. J'adore l'intégration de ça. Ouais, par contre, c'est vrai qu'ils ont rajouté une tonne d'armure, ce qui fait que les mecs ont des armures des fois pour les péter, c'est chaud quoi. Alors, je suis la deuxième ou troisième game sur celui-là. Ok, j'ai pas compris comment il est mort, mais ok. Ah, dommage, je vais prendre l'arme. Ils ont un peu, comment on pourrait appeler ça? Ils ont un peu Call of. Ils ont un peu Call of le jeu. Je m'explique. Déjà, pour les mouvements général du personnage, il y a des traits particuliers dans les anciens. Par exemple, il fallait appuyer sur les boutons du dessus pour sprinter, pour attaquer au corps à corps et compagnie. Là, par exemple, pour sprinter, vous cliquez sur le joystick. Mettre à genoux, c'est B. Je me suicide en butant le mec, c'est logique. Absolu. Pour mettre à genoux, c'est B. Vous pouvez faire des glissades en sprintant en mettant à genoux. Ils ont enlevé jetpack et double saut. Donc, ça, c'est cool. Vous avez toujours vos sauts de fortune, hein. Mais là-bas, ça pas change quoi. Hop. Vous avez donc le corps à corps qui habituellement était sur le RB, je crois, dans Guardian, et passé sur le joystick. Donc, un petit coup de crosse comme dans Call of Duty. Donc, c'est pas le meilleur, je trouve. Rayon lumière solide, des dispositifs d'élargir et rétrécir le champ de... Ah, c'est l'arme qu'il avait, le mec. Shut up, motherfucker. Don't cry, kids. Oh putain, yeah, yes, fuck off. Les mecs ne savent pas fermer leur gueule dans le jeu, c'est ça qui est horrible. Hop là, c'est fait. Il y a un mort sur le côté. Hop là, ça y est. Hop, middle. Ah,
vache. Et on continue mieux. Oh shot. T'as la grenade qui est passée par dessus. Ah, cher nu, les dégâts de plasma particulièrement efficaces pour les unités cinétiques transpirent ses boucliers. Ah d'accord. Ça s'est bien passé, ça. Ah, t'es manque toujours des balles. Hein. Manque toujours quelques balles. Ouf. Oh, putain. Grenade, grenade. Ouais, bon, le bon vieux bruit là. Tout skill. Je suis pas tombé avec la meilleure équipe. Hein. Un camp en plus. Camping in tour. Ah dommage. Dizzy guy. Qu'est-ce qu'il fait ça? Bon, j'ai quand même promis mon équipe. 13-14, 5-10, 11... 14, 8, 12, ouais, bon. Je l'ai pas aidé là dans cette game. Clairement, j'ai pas été aidé dans cette game. Pour l'instant, il y a deux modes. Mode social, donc ici, là, du 4 contre 4. Et un mode contre des bots. Je pense qu'une fois qu'on aura fait celle-là, je vous montrerai vite fait le mode avec les cops, avec les bots. Ce qui en général c'est que sur drapeau, mais vraiment sur. T'avances, tu traverses les mids si t'attaques et tu traverses, tu reviens et tu. Voilà quoi.
Camping interdit. Utiliser. Hein? J'ai même pas le temps de voir ce qu'il y avait écrit. Non, oh, putain, t'es chiant. T'es chiant quand tu t'y mets le chat. Oh non! Putain, je suis truc de merde. Le mec a lance-roquette en plus. Ah bon, je vais t'encore moins aider là, putain. Oh de Dieu. Lance-roquette de mes couilles. Il n'y a pas un allié qui est capable de faire un seul kill, t'es sur sérieux? Non mais d'où je suis dans c'est même pas cette rôle sale, c'est normal par contre. Hop dans ta gueule, allez. C'est quoi qu'il a une supra armure? Putain, mais le mec a supra armure, bouclier et fusil à pompe. Nom de Dieu, quoi. La petite doublette. Bah ça c'est sûr que je vais perdre vu les alliés qu'on a. Ça, par contre quand t'as le mec qui est en rouge complet, tu comprends pas pourquoi il faut 50 balles de plus pour péter l'armure. Il y a des moments où j'arrive pas à comprendre. Je crois que j'en ai eu un, mais je suis pas sûr.
Fils de pute! Putain de lance-roquette de merde, quoi. Et lui, pète pas, parce que lui, il a moins d'un mètre de moi, par contre, hein. Dans les anciens halos, tu pétais avec, le mec, hein. Je suis vraiment pas aidé, hein. Putain. Écoute, Cross qui s'accroche pas au mec. Ça fait chier par contre. Les mecs, à part camper entre 4, ils ont rien fait de plus pour l'instant, depuis le début des games. Attends, mais à quel moment à 10 km avec un fusil à pompe il te bute, quoi? Non mais. Putain, il fallait tellement de balles avant pour buter un joueur et maintenant le mec il éternue, il te shoot. Ça c'est immonde par contre. Bah, je suis premier de mon équipe et de loin, hein. Oh nom de Dieu. Le mec 5-15, 4-14. Non mais tu m'étonnes, ils ont pu faire la victoire adversaire. Là, ça mérite un complicité là. Genre, les mecs étaient AFK toute la game quasiment. Comment tu peux jouer AFK en game sachant que c'est une bêta et que t'as déjà la chance d'être sélectionné pour tester la bêta technique, quoi. J'arrive pas à comprendre. 0 kill, 1 décès. Ah oui, d'accord, on avait un bot en plus, allez. Mon de Dieu, quoi. Tu m'étonnes, il peut faire que mieux que d'habitude avec. En jouant contre des bots, quoi. Oh non, d'adieu. Donc là c'est des bots les gars, c'est le mode de jeu avec les bots comme on peut voir là au preview bot arena. Donc entre guillemets c'est pour entraîner pour les strats, pour les maps. Est-ce qu'on aura une map différente ou pas? Est-ce qu'il n'y a que deux maps disponibles? Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Je sais pas s'il y a un moyen de pouvoir bloquer les joueurs, peut-être d'être... d'être avec les mêmes joueurs. Parce que là, clairement, genre, moi j'ai pas de retomber contre des joueurs, des bots comme eux, quoi. Putain. Capture drapeau contre des bots. Et ben on va pas finir.
Comme ça, moi, ça sera vite réglé. Donc là les gars, après qu'est-ce qu'on a de beau, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon là, tout le système pour pouvoir donc choisir la couleur de votre armure, les différentes têtes qu'on aura, là pas vraiment, c'est évidemment c'est les têtes pour la bêta, les différentes plaques d'armure, vraiment ils ont développé vraiment une épaule différente, un peu à l'ancienne, là même la partie des gants, la partie des avant-bras sera séparée. Les cuissardes, il y a vraiment de quoi faire une personnalisation beaucoup plus poussée je trouve. Dans les anciens, la corps, ça c'est sympa aussi. L'apparence, donc vous aurez donc là un peu musclé, fin ou on va dire baraqué. Prothèse, on peut avoir une prothèse donc de bras, un peu comme kit, prothèse avant-bras ou juste de la main. Ça c'est cool. Les deux bras, la jambe aussi. Là il y a un petit IA, alors je sais pas quoi il va servir, mais bon, il y aura un petit IA. Donc moi je me suis mis la petite bouboule. Pareil, il y a la couleur. Limite bleu, ah non, quoi que non, orange, je trouve plus visible en orange. Identification qui changera pas. Baie d'embarquement, donc pour voir les véhicules, donc on a le Warthog, le bon vieux Warthog, le Mongoose, donc c'était la Mangouste, le Scorpion classique, la Wasp, Razorback, donc c'est Warthog de transport de troupes. La Mongoose avec les canons à l'avant. Donc le Warthog lance-roquette. Bon, je pense qu'il y aura toujours. Là, c'est Warthog toi. Je pense qu'il y aura Warthog onde de choc et compagnie. Il y aura pas mal de petits trucs autour. Établi des armes. Qu'est-ce qu'on a? Donc on avait la sous-rifle. Donc le basique. Le pistolet. La DMR. Commando, ça, j'ai pas pu voir encore ce que c'est comme arme. Le lance-roquette. Le sniper. Le fusil à pompe. Hydra. Donc ça, c'est le lance-grenade, je crois. Qui pouvait tirer plusieurs grenades en même temps. J'ai vu qu'un canon électrique aussi, qu'on a pu voir dans l'académie, ça c'est un canon impulsion. Il y a d'autres armes voilà, qui ont été rajoutées, l'empaleur, donc ça balance un genre de harpon. Pour le genre, l'ossocket, c'est qu'on va tester la carabine qu'on n'a pas vu. Je sais pas ce que c'est comme carabine, commando. Niveau 1, commando. Ok, c'est un coup par coup. Ah, par contre, 5 balles dans la tête pour arriver à buter, mec. Le nombre de dégâts qu'il faut faire à un mec. Donc bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis bien évidemment à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse checker les descriptions pour les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas bien évidemment à liker, à abonner. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Peace. Surtout partager, liker et oublier.